Alors le Mas de l'Armandine, c'est une société qui transforme des fruits exclusivement biologiques. Et on transforme ces fruits-là soit en confiture, soit en compote, soit en purée de fruits. On a cette spécificité de faire des confitures dans des gros contenants, des contenants de 4-5 kg, qui ont plusieurs avantages, notamment un avantage écologique majeur et un avantage de praticité. Cette attirance pour la nourriture, pour la cuisine, évidemment, les voyages que j'ai pu effectuer m'ont donné de nouvelles idées. Je crois que j'ai réussi à condenser mes envies, mes passions dans cette entreprise. Alors nous, on travaille essentiellement avec des professionnels. Des professionnels notamment du monde de la laiterie, des gens qui vont faire des yaourts. Et nous, on fabrique le fond de yaourt aux fruits. Ça, c'est vraiment le gros de notre activité. On a un deuxième segment de marché qui est celui de la restauration collective au travers de nos compotes qui sont vraiment diffusées très largement en Auvergne-Rhône-Alpes et aussi un peu ailleurs. Et on a enfin une gamme qui est vraiment destinée aux consommateurs directement. Et là, on est en train d'innover dans des nouveaux contenants. Notre innovation en 2024, c'est le lancement d'une gourde de compote à usage familial. Et c'est toujours l'idée d'avoir le moins de contenants possible par rapport à la quantité de produits, en l'occurrence de la compote, fabriquée avec des fruits exclusivement de la région Rhône-Alpes. Le Mas de l'Armandine a depuis plusieurs années un engagement fort au-delà de la bio sur un certain nombre de domaines environnementaux, sociaux, ce qui nous a amené effectivement à être labellisé depuis une année environ par le label BioED, qui est un label vraiment de RSE au niveau national, qui se traduit par une politique sociale et salariale qui est engagée, une politique environnementale et notamment autour de l'origine des fruits, puisqu'aujourd'hui on achète pas loin de 70% de nos fruits en France auprès de producteurs français. Ça, c'est vraiment un engagement fort qu'on a, c'est même presque une spécificité dans notre milieu et c'est des choses qu'on souhaite continuer à développer dans l'avenir.